Je joue à la version ultime de Mario Kart 7. Des nouveaux persos, des nouveaux circuits, y'a tout. Salut les amis, comment ça va aujourd'hui? Merci à tous d'être là, n'oubliez pas de laisser plein de pouces, de commenter, de vous abonner. Et aujourd'hui on se retrouve parce que mon pote Selim a installé sur ma 3DS la nouvelle version de Mario Kart CTGP. J'avais déjà fait une vidéo sur Mario Kart CTGP sur Wii, mais là il y a une version sur 3DS qui est sortie. J'avais vu, je crois, il y a un youtubeur que je suis, mais que vous connaissez sûrement, Craco, quand on avait fait des vidéos. Mais genre à l'époque ça m'intéressait pas parce que genre c'est Mario Kart 7 et genre bah j'y pensais pas en fait. Mais Selim m'a tanné pour l'installer, puis il a tout fait, donc bah merci à lui, remercie-le dans les commentaires. Donc c'est une version modifiée de Mario Kart 7 avec genre bah d'autres persos, plus de circuits et plein d'autres trucs, mais genre je vais pas faire l'inventaire. Alors faudra m'expliquer pourquoi c'est le jingle de Mario Galaxy, mais pourquoi pas. Apparemment il y a du online, mais genre il y a personne en online, donc on va même pas y aller. Ils ont ajouté un truc indispensable, c'est la course VS. Genre c'est difficile de réaliser qu'il y avait pas de mode VS sur Mario Kart 7. Et il y a aussi un nouveau mode mission. Attendez, déjà ça ressemble à quoi en plus? Ah ouais, stylé. Va falloir qu'on en fasse, mais déjà découvrons les nouveaux circuits. Alors les amis, pour les nouveaux persos, j'ai installé Mario de Super Mario 64 et bien sûr Mr. L de Super Paper Mario. Et j'ai mis Birdo à la place de Peach. Ils ont mis aussi Boshi, mais bon, enfin genre c'est juste Yoshi bleu avec des lunettes quoi. Et lui, vous avez la ref, Metaboss de Mario Luigi 3 je crois. Bon, j'ai pas touché à Donkey. Toadette à la place de Toad. Skelerex à la place de Koopa. Koopa a dû avoir un dernier accident mortel de carte. Daisy, elle était dans le jeu de base. Ouais, non, y'a rien là. Wario aussi, Harmony, y'a rien de changé. Et lui, comment il fait pour conduire sans membres? Dans le même genre, comment Goomba il fait pour jouer à Mario Party sans bras? On va prendre un masque à ce blanc, Reine des Abeilles, Funky Kong! C'était à la place de qui? Wiggler, j'aime trop Wiggler, mais c'était Funky Kong à la place, donc je préfère Funky Kong. Puis ça, c'est pas modifié. Mais je joue qui là en vrai? Bon, vas-y, j'ai pas installé Funky Kong pour rien. Oh, les pecs qu'il a, sexy! Mais c'est pas ma sauvegarde de base? Comment ça qu'il me manque des cartes? C'est bizarre ça. Bon, alors on a nos 8 coupes de base, ça y a rien de modifié, mais par contre, genre ils en ont rajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Attends, mais 10 x 2, il y a 20 nouvelles coupes! Mais attendez, mais c'est énorme, mais je vais faire quoi moi? Allez, la coupe pièce, ça a l'air stylé. Ils ont désactivé la 3D sur le jeu! Non, mais ça par contre, c'est honteux. Oula! Eh mais c'est le dog là. Waouh. En même temps ça s'appelle Desert Dog, ok j'aurais dû capter. Let's go les amis, souhaitez moi bonne chance. Eh mais trop cool les nouveaux circuits. Waouh. On est si rapide que ça. Y'a pas de musique. What? Ah si, ça commence. Ah bah non. C'est bizarre ce qui se passe avec la musique, genre des fois elle démarre et des fois... Ah ok, non, il était tellement petit le gars que genre je voyais pas le bloc derrière lui. C'est quoi ça en fait, genre elle sort d'où cette musique? Bon, je suis toujours nul moi. Pourquoi il y a un Mario normal? J'ai désactivé, ça devrait être... Ah bah non, c'était Mario 64. On aurait pas dit dodo. Mais ça ressemble à un circuit qu'il y avait sur la Wii, non? Il y avait un truc comme ça. En fait, c'est genre des musiques de mèmes. Ah, oh non! Punaise. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à Mario Kart 7 aussi. Oh, il y a aussi un nouveau truc! Tandis que quand on prend les tremplins, on peut faire des figures, genre dans différentes directions, comme dans Super Mario, enfin dans Mario Kart Wii, Mario Kart 8 Deluxe, mais bien entendu, là, il y a plus de tremplins, donc je peux pas le faire. Je suis 8ème! Non! Mais là, en fait, je peux rien faire, enfin, genre... Vas-y... Bah, je peux pas récupérer d'objets en plus. Eh, mais c'est trop bizarre que par rapport, genre, à... Punaise! À Mario Kart 8 Deluxe, genre, t'as tellement l'habitude de porter deux objets, et là... Tu peux plus... Ah mais y'a que deux tours, attendez, mais si je dois rattraper c'est maintenant. Non mais attendez, mais il me donne pas les meilleurs objets là. Mais beaucoup plus de ouf. Oh, c'est bien ça, l'objet. Oh, et mais les objets ils mettent trop longtemps à apparaître là. On est clairement pas sur Mario Kart Tour. Là comme ça, ah bah non bah j'ai loupé. Non mais parce qu'on peut faire des figures mais je loupe tout le temps. Super, j'en fais quoi de cet objet là? Là je vais faire une figure, mais zappez moi l'objet, non? Même pas, punaise. Attendez, mais j'ai aucune chance de remonter là. Ah si, y'a des objets là. Mais j'ai l'impression que j'ai pris le chemin long. Oh oh oh. Oula, yes. Ok, deuxième. Ah lui je pense que je le rattrape pas, mais... Oh j'aurais pu. Ah j'aurais utilisé le champignon plus tôt, je l'aurais eu, c'était sûr. Ponton lugubre, et pourquoi là la caméra elle est sous le truc? Quoi? Ah parce que peut-être qu'il pouvait pas recoder la caméra. Genre elle est copiée dans notre circuit. Ah enfin, c'est un peu bête ce truc, mais c'est pas leur faute, j'imagine, développeur. Mais ouais, on dirait un circuit de la Nintendo 64. J'imagine c'est le même concept, mais c'est quand même un peu refait. Sinon il y aurait eu marqué Nintendo 64. Ouh. Et mais je connais pas trop la méta de Mario Kart 7, hein. Je sais pas trop genre quelle technique et tout. Genre y a pas le snaking, non? Non mais y a un... Non c'est pas lui. Le truc où genre si tu fais que de sauter, tes turbos tu les gardes. Non c'est sur Mario Kart 8, non? Je sais plus du tout. Ok. Non mais voilà, quand je me concentre. Attendez mais non mais... C'est littéralement le circuit de la 64. Genre il est pareil. Bon, tant pis, c'est pas grave, le plus important c'est que je gagne. C'est quoi ça? Attendez, quoi? On est sous l'eau là. Ça n'a aucun sens mais en même temps c'est hanté donc...
Ah ouais, non, d'accord, ok. Mais attendez, mais on pouvait passer par là, genre c'était un passage. Et j'en sais rien, il y a l'air d'avoir des nouveaux raccourcis et tout, mais je comprends pas. La lune, par contre, genre elle est toute plate. C'est trop bizarre parce qu'à certains angles, en fait, elle est vraiment littéralement aplatie. Ils auraient pu la faire autrement, genre la mettre dans la skybox, j'imagine, non? C'est pas grave. Je déteste cet objet. En vrai, c'est relou. Ils l'ont gardé sur ma carte 8? Je sais plus. Mais genre, c'est relou. En fait, ça sert à rien. Genre, ça te protège, mais puis tu peux aussi taper les autres, mais enfin, c'est grave circonstanciel. Non, 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 non. Mais normalement, quand on va dans l'eau, on perd notre encre. Pourquoi ils ont pas gardé ça? Ah oui, d'ailleurs, ils ont changé la physique du bloops. Et maintenant, dans ce jeu, le bloops se ralentit de ouf. Et donc, ça, et bah, c'est fermé. D'accord, ok, très bien. Super. Personne m'a doublé. Ah bah, si, il y a un moment quand même. Il faut bien. Mon dernier tour, mais là, ce circuit, genre, il est grave tranquille. Mais je sais pas si vous voyez des différences, genre, à l'écran, là. Genre, par exemple, maintenant. Dites-moi si vous voyez des différences par rapport à la version normale de Mario Kart 7. Parce que là, à l'écran, genre, au moins sur l'écran du haut, il y en a eu au moins deux, mince. Faut que je me concentre. Après, je sais pas s'il y en a d'autres. Mais s'il y a des trucs visuels et tout, bah déjà, il y a des trucs en plus. Il y a des trucs aussi qui ont été modifiés, qui sont peut-être un peu plus difficiles à voir. Mais genre là sur la roulette. Enfin bref, je vous laisse dire tout ça dans les commentaires. Par contre c'est trop bizarre le fait que là genre tu rentres dans de l'eau genre... Enfin genre normalement la gravité ça marche pas tout comme ça. Oh non, il y en a qu'un éclair. Non. Bon ça va, c'était juste avant l'objet. Comme ça j'en ai un de secours. Ouh, oh baf. Ouais, enfin lui il me protège pas d'une carapace rouge. Super, merci, pitié. Je veux pas qu'il y en ait. Non mais il en a une. Non, 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 non. L'utilise pas, l'utilise pas. Oh, non, 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 comment ça deux fois de suite? Oh la malchance, non, 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 non. Je sais pas si c'est mon objet qui s'est pris, mais en tout cas, yes, let's go. Au moins je suis remonté. Oh, le circuit Mario de la GameCube. Hein? Ah mais si, ah mais si, je m'en souviens. Et il y a le chomp en plus. Est-ce qu'ils vont le voir regarder, super. En plus avec la musique et tous les souvenirs. Ce circuit en plus, enfin genre là, oui, en plus j'ai le triple champi. Il y a un bête de raccourci. Enfin un bête de raccourci, je sais pas non plus l'abuser. Mais il est pas sur Wii. Genre il l'a vermis sur Wii. Enfin j'ai dit qu'il était pas ouf ce raccourci, pourtant je suis quand même passé de 8ème à 1er, donc on va dire c'est pas mal. Non, c'est pas sur lui qu'il y a un chomp en fait. Je confonds, je crois. Ou peut-être qu'il y avait mais il y a plus. Ah là, il y a toutes les boss. Il va y avoir les boss, non? Oui, oui, oui. Let's go. Ouais, mais là, il y a ça. Ouf. Ah mince. Ok, là, il vaut mieux les prendre. Ah, oh, ça, c'était relou sur GameCube. Genre, tu prenais trop les plantes. Oh, et mais comment on glisse quand on a le bloops? Genre, le bloops, déjà, il nous ralentit. Et en plus, il nous fait glisser de ouf. Je suis catégorique. Normalement, il y avait un chomp au milieu. Hein. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis là. Par contre, pourquoi ils regardent toutes vers l'extérieur les plantes? C'est bizarre. On dirait qu'elles nous font la gueule. Oh, ça, il est grave sexy, Funky Kong. Non, 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 mais à chaque fois, c'est ce moment. Et genre, les virages sont impossibles à prendre quand t'as le bloops. Bah, pour une fois, genre, le bloops, en fait, il est devenu, bah, on va dire, utile. Parce que le fait de rien voir. Ah, surtout qu'en plus, normalement, je peux souffler sur l'écran sur 3DS. Non, il y a le micro. Et il faudra que j'essaye la prochaine fois. Oh non. Bon, ça va, c'est la première depuis que j'ai commencé, donc. Ils sont où, les gens? Oh, non, 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 non. Punaise. Non, non, non. Je le vise. Bah, non, il va se prendre ça. Non. Il a évité le rat. Oh. Attends, 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 attends. Ça va pas se passer comme ça. Quoi? Je l'ai eu au moment où, genre, en fait, bah, je m'en foutais un peu, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais il s'est pris un autre truc. J'en sais rien, j'en sais rien. Vite, vite, vite. Non, non, j'ai ralenti pour rien, là. Yes! Et voilà, let's go! Et un circuit Hatsune Miku, c'est pour ça que je voulais mettre cette coupe. Genre, ça a l'air d'être bizarre, quand même. Oula, en plus, tout c'est de la 2D, en fait. Genre, tout c'est des sprites 2D bizarres, mais moi, j'ai pas les refs, en fait. Genre, je connais pas Hatsune Miku. C'est n'importe quoi. Ouais, la maniabilité pas du tout pareil que sur Mario Kart 8 Deluxe, c'est chaud. Oh non, non, non. Ouais, dévie pas trop, hein. Oh, mais attendez, mais non. La musique. Oh mon dieu. Enfin, c'est du Vocaloid, quoi. Mais en vrai, genre, on dirait littéralement une route arc-en-ciel. Enfin, genre, je veux dire, déjà, on est dans l'espace. Bah, ça vient de la route arc-en-ciel en plus. Donc, on est dans l'espace. Et en plus de ça, genre, y a pas de rebord. C'est chaud. Attends, wouah. Ah ouais, carrément. Ah mais les Hatsune Miku, genre elles veulent nous tuer ou quoi? C'était des Hatsune Miku qui étaient en rotation dans le vide. D'accord. Ça dure 3 tours en plus alors que le circuit a l'air grave long. Et mais on dirait un mix en fait, genre j'ai l'impression, entre un circuit de Bowser et un circuit de la route arc-en-ciel. C'est stylé en vrai. Hein. Oh bah merci. Très bien, moi ça me va. Oh non, mon objet. Là ça me va pas du tout. Oh, en vrai c'est cool. Je pensais que ce serait cringe. Mais genre si on ferme les yeux sur les décors alentour, genre ça va, c'est stylé. Hé, je suis repassé premier en plus. Let's go. Est-ce qu'on peut... Non. Est-ce que le dérapage il peut devenir bleu? Je sais plus s'il peut sur Mario Kart 7.
Et mais les experts de Mario Kart 7 dans les commentaires là, ils vont faire que de me dire on a dit n'importe quoi. Mais j'ai pas joué à Mario Kart 7 depuis très longtemps. Enfin ça fait moins d'un an en vrai. On y avait joué je crois en live pour l'anniversaire de la chaîne l'année dernière. Bon pas beaucoup hein. Puis en plus c'était en pleine nuit donc j'ai un peu genre j'étais pas dans mon état normal. Oh non, une carapace bleue. Et en plus il l'a jetée. Oh non, elle va arriver après que je me sois envolé. J'ai vraiment pas de bol, ça m'énerve. Bon mais par contre en vrai, waouh. Bah c'est pas si grave parce que comme ça moi je me prends pas les Hatsunemi volantes. Et mais vraiment moi ça me parle tellement pas les Vocaloids, c'est vraiment genre un monde où j'y connais rien du tout. Mais bon je sais qu'il y a plein de fans. Mais c'est des jeux ou des logiciels déjà, je sais pas vraiment. Les poireaux. Okay, on va rester avec notre banane. Au moins ça nous protège, histoire de pas avoir deux faux blocs. Enfin faux... Comment ça s'appelle? Fausse boîte à objets, fausse caisse à objets. Je sais même pas comment ça s'appelle en vrai. Oh là mais ouf. Enfin en vrai je suis peut-être pas obligé de ralentir. Si je prends mieux le virage, peut-être le faire sans. Pourquoi Toadette elle était juste à... Ah non elle était en dessous. Ah, j'ai l'impression qu'elle était juste à côté de moi mais en fait non pas du tout. Alors ça c'est chaud. Ok, je suis vraiment littéralement obligé de m'arrêter. C'est le train de Calimari déserte ou quoi là? Ok. Genre on dirait... Non mais Mario, Mario 64 il a encore une carapace bleue. Quel tricheur. C'est parce que c'est Mario 64, de la 64, donc il triche avec ça. Bah écoutez je vais tomber là hein. Ah mais j'ai mis trop de temps à tomber, ça m'énerve. Par contre mes pièces elles sont parties genre littéralement grave en avant. Non non non. Maintenant c'est un éclair. Fais bien attention au moment où tu vas utiliser ton éclair. C'est bon, c'est parfait. Ok. Elle l'aurait utilisé une seconde après. Ça aurait été la catastrophe pour moi, mais là ça va. C'est vrai qu'à l'époque les bananes elles étaient genre derrière nous. On avait une queue de bananes plutôt que genre un cercle de bananes. Bizarre dit comme ça. Allez je dois bien prendre ce virage. Attendez, il va y avoir le virage qui est mon test sur Mario Kart. Sur Mario Kart 7 CTGP. Il est juste là. Sans ralentir. Non non pas maintenant. Non 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 non. Ok. Heureusement que j'avais énormément d'avance, heureusement que je suis trop fort. Vraiment Mario Kart 7 ça rappelle grave les souvenirs, je l'adorais, genre c'était mon Mario Kart préféré avant en fait que le 8 sorte. Qui est genre pareil mais en mieux j'ai l'impression. Alors on va changer de perso là, je vais prendre qui? Oui, Kiwi. Mister L. Mais j'ai aucun kart, ça me dégoûte. Et je mets des ailes diaboliques parce que Mister L c'est un méchant. D'ailleurs je me demande bien qui se cache derrière ce masque. Ah ça, c'est une coupe que je voulais absolument faire, la coupe arc-en-ciel. Parce que le dernier circuit, c'est un remix de toutes les routes arc-en-ciel, il paraît, ça a l'air trop bien. On commence par la route arc-en-ciel de la N64. Et... let's go. Alors, c'est en section encore. Ok, très bien. Donc là... C'est un peu la même finalement que celle sur Switch quoi. Enfin sur Switch, elle était sur Wii U. Oui elle était dans le DLC. Mais en fait on dirait que c'est littéralement la même. Sauf que genre les couleurs elles sont un peu moins vives. C'est bizarre, on dirait que c'est un peu déprimant finalement. Bon on la connaît elle, mais elle est grave bien. Mais attendez, j'ai quand même l'impression que la route est un peu plus serrée non? Elle est pas plus large la route sur Switch et sur Wii U. Je pense définitivement qu'on peut pas avoir les dérapages bleus hein. Sinon je les aurais eu depuis longtemps donc voilà maintenant on est fixé. Mais le fond on dirait pas un fond de la Wii. J'ai pas l'impression que le fond genre il vient de Mario Kart 8 Deluxe. Mais qu'il vient vraiment genre de la Wii. J'ai l'impression la route arc-en-ciel sur Wii y'a pas un truc comme ça je sais plus. Je m'en souviens plus trop de la route arc-en-ciel de la Wii. Mais genre je sais juste qu'elle est trop cool. Non elle est vraiment littéralement dans l'espace genre très loin dans l'espace. Par contre c'est quoi ça cette Daisy qui est genre littéralement trop devant. Non mais attends moi Daisy. Draté. Bon, waouh. C'est vraiment pas exactement pareil en fait. Genre ils ont fait quelques modifications. Le tracé est le même. Mais c'est vraiment pas tout à fait pareil que sur Mario Kart Wii. Genre ils ont rajouté des obstacles et tout. En vrai ils l'ont rendu un peu plus intéressante. Par contre si je loupe des objets genre vraiment jamais je vais la dépasser. Et il y a des carapaces bleues que quand moi je suis premier hein. Ça c'est la malédiction sur Mario Kart bien sûr. Mais non mais tu t'es pris pour qui? Mais ils nous font une feinte les boîtes à objets. Au début on croit que c'est des vrais. Et en fait c'est des fausses. Comme les fake Kirbendo sur TikTok et tout. Elle s'est pris une carapace bleue bien, mais elle est tellement loin. Non mais, non mais. Attendez, mais là en plus c'est la dernière ligne droite. Non mais, c'est pas la dernière ligne droite. Ouais mais c'est chaud quand même. Pourtant j'ai une super vitesse. Genre vraiment mon kart et tout, il est vraiment optimisé vitesse. J'ai pas d'objet. Oh bah, c'est même pas Daisy qui... Oh non, j'ai plus de protection. C'est même pas Daisy qui gagne finalement. Je vais pas le doubler là. Ah c'est pas fini? Ah non en fait c'est vraiment pas du tout la même que sur Wii U hein. Ils ont fait plein de modifications. Attendez je peux la voir. Bah, même sans l'aspiration. Oh, yes! Let's go! En fait
Je crois que cette version elle est meilleure que sur Wii U. Hein. La retard console de la GBA, et ça j'avais hâte parce que la retard console de la GBA elle a cette particularité que les rebords, et bah genre là, c'est pas des murs, ça te fait rebondir. Je sais pas s'ils vont l'avoir fait là-dessus, parce que genre en vrai, ça peut faire des shortcuts de ouf, mais c'est grave technique. Parce qu'elle a jamais été remakée elle. Oh mon dieu, il est trop moche le château de Paper Mario derrière. Allez, let's go! Donc est-ce que ça marche? Attendez, essayons. Ah bah non, oh non. Ouais, enfin genre on a juste perdu l'intérêt principal de cette course en fait dans ce portage de merde. Bon par contre non, il y a un autre avantage, c'est la musique. Voilà, faire le guignol. Il y a ça. Ah par contre ça nous... Ah, ok ok, non il y a quand même un avantage, c'est qu'on peut faire des figures. Donc j'imagine que si je fais... Ah ouais, ok donc, bon, on a... Ok, c'est technique. On a perdu l'un des l'une des particularités principales de cette course. Mais en vrai, on a gagné un autre truc. Donc, ouais, ça peut être stylé. Alors là, par contre, j'ai eu le pire objet sur ce circuit. Mais bon, vas-y. Ah bah. Vas-y. Oh non! Pourquoi il y a toujours une carapace bleue quand ça fait que je suis premier? Non, c'est bon. Daisy, elle s'en est pris une. Donc, oh non, puis il me la jette. Et le klaxon! Il n'y a pas le klaxon. Ils auraient pu le remettre. Yes. Bon, bah, tant pis. De toute façon, je pouvais rien faire. Hein. Et mais la musique, incroyable. Yeah. Oh là! C'est moi qui suis incroyablement nul. En plus, sur ce jeu, tu perds tes objets quand tu tombes dans le vide. Aïe. Ah là là, ça c'est grave satisfaisant en fait. Et j'aime trop. Hein. Par contre, ça reste l'une des routes arc-en-ciel les plus techniques. Après, elle est pas plus difficile que celle de la Super NES. Mais genre, elle est plus technique. Parce que si tu veux vraiment la masteriser, bah genre, c'est plus difficile en fait. Genre, celle de la Super NES, ce qui est dur, c'est juste de la terminer. Après, quand t'arrives à la terminer, enfin genre, t'y arrives, y'a pas genre de double lecture. Mais là, vraiment... sur GBA, ils sont vraiment allés à fond, quoi. Oh non! Pourquoi j'ai cet objet en étant premier? Genre, c'est littéralement l'objet dont je m'en fous. Bon, vas-y. Bah, mais moi, je suis un sniper, en fait. Rah, mais la musique, en plus, qui accélère et tout, trop bien. J'ai combien de pièces? 4! Ah non, mais c'est pas possible. Pff, on est obligé de spammer pour éviter les carapaces. Ça, j'aime pas vraiment, hein. En fait, elles sont mal indiquées, déjà. Tu sais pas à quelle distance elles sont, les carapaces rouges sur ce jeu. Et avec la queue, la grosse queue de raton... Ok, laveur, et bah genre c'est chaud en fait. De... Enfin genre t'es obligé de spammer, tu sais pas trop genre quelle est ta hitbox et tout, c'est relou. Wouhou, wouhou. Yes. Est-ce que je pourrais genre faire en plus les figures? Je suis pas sûr que ça fasse grand chose. En plus les figures genre, je fais pas des vraies figures parce que, comme je vous ai dit, on peut faire des figures comme ça, qui nous permet d'aller encore plus vite. Genre quand on ratterrit, genre là. Non? Bah c'est censé faire ça, pourquoi ça le fait pas? J'en sais un... Je vais dire c'est un sans faute. Mais oui c'est un sans faute. Je l'ai premier les trois fois. Mais il reste le remix de toutes les routes arc-en-ciel. Mais non, c'est que la deuxième. Eh mais je vends la peau de la route arc-en-ciel avant de l'avoir tué. Remix route arc-en-ciel. Alors ça, c'est pas un remix de toutes les routes arc-en-ciel. C'est un remix de la route arc-en-ciel de la Super NES qu'il y a sur Mario Kart Tour. Allez allez. Oh oh. Bah pff, ok, j'ai réussi à pas tomber dans le vide. Mais ce que j'aurais voulu c'était peut-être Nicta. Je l'aime trop cette route arc-en-ciel en vrai. Enfin ce remix. Mais en vrai les circuits Mario Kart Tour remixés, ils sont souvent bien. Hein, parce qu'en fait j'aime pas du tout les circuits de la Super NES. Je trouve qu'il y a pas vraiment d'effort sur les remakes. Généralement quand ils font des remakes des circuits GBA, ils font plus d'efforts que les circuits Super NES. Donc vraiment je trouve ça pas ouf. Mais celui-là, enfin pas celui-là mais genre ceux sur Mario Kart Tour qui sont genre RMX... Et pas juste des portages comme il y a sur Wii et tout. Bah genre en vrai je les trouve grave cool. Et celui-là il est bien... Bon par contre ça se voit quand même qu'il est fait pour Mario Kart Tour. Parce que genre le raccourci qu'il y a au début là, le tremplin, il est grave dur à prendre en fait. Si t'es pas en pilotage assisté là. Oh, ils ont mis le pilotage assisté hein, sur ce mode de Mario Kart 7. Bon je l'ai pas activé moi mais vous pouvez si le cœur vous en dit. Par contre genre quand on fait un dérapage on est éjecté vers, enfin on est emmené vers l'extérieur à fond. Et je trouve ça vraiment trop bizarre en fait, genre ça me paraît tellement pas normal genre. Wouh. Attendez, non là parce que j'ai mis dans le sens inverse mais genre des fois c'est trop bizarre. Rah, comment c'est trop cool. Et mais ça me donne envie de rejouer à Mario Kart 7 là. Et voilà encore une fois premier, mais je suis juste le meilleur c'est tout. Et voilà, le fameux remix, la route arc-en-ciel deluxe. Ils ont été trois à le faire. Oh, je vois de la GameCube, de la Super NES. Oh là là, attendez, j'ai trop hâte. Je peux me retenir, je suis trop excité. En plus, la musique, ça va être un medley. Yes. Alors ça, c'est quoi déjà? C'est de la Super NES? Ça, c'est de la Super NES. Hein. Enfin, c'est soit de la Super NES, soit de la GBA, mais je pense que c'est de la Super NES. Mais par contre, elles sont pas toutes complètes. C'est par... Oh! Ok, c'est par section, ça paraît logique. Là, on passe à la 64.
Ah mais on va les faire dans l'ordre en fait. Donc après on va aller sur Super Circuit, puis Double Dash. Par contre, est-ce qu'ils ont mis des circuits de Mario Kart Arcade? C'est ce que je me demande. Faudra que j'aille voir dans la liste. Waouh. Ah bah, voilà, là la GBA. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de retravail, genre c'est littéralement... Ils ont pris des portions et ils les ont mis. Mais c'est pas grave, hein. Genre l'idée elle est cool. Et en plus ça fait une route arc-en-ciel qui fait vraiment voyager dans le temps là, dans la nostalgie et tout. Non, non, non. Punaise. En plus je meurs littéralement avant la pire section. La GameCube. Enfin la pire, la meilleure. Mais la plus dure. Quoique là ça a l'air d'être grave large. Et c'est moins pentu que sur GameCube. Non en fait ça va, ils ont été gentils. Ouais, attendez, c'est tout? La GameCube, c'est juste ça? Non, c'est toujours la GameCube, là. Ah ouais, c'est toujours la GameCube, je crois. Oh, ça, c'était chaud sur GameCube. En plus, t'as aucune visibilité. Là, toujours la GameCube. Ah ouais, grave stylé. Je pensais que ce serait tout court, et en fait... Parce que la GameCube, elle a toujours pas été remixée. Comme Route Arc-en-Ciel, donc... Genre, ça fait plaisir. Oh non, oh non, 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 pas le bloops là-dessus. En plus, juste avant le booster, qu'allait me faire perdre le bloops. Genre, vraiment, il me déteste le jeu. Oh là là, la musique. C'est la dernière section. Non, 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 je suis pas quatrième à la dernière section. Laisse-moi remonter, laisse-moi remonter. Ça, c'est quoi? Fur. La 3DS. Oui, c'est la 3DS. Est-ce qu'ils vont mettre la Switch? Enfin, la Wii U? C'est possible que non, hein, c'était trop... Ouais, si, elle était déjà sortie. C'est là-bas, non? Attendez. Ça, c'est la 3DS, on reconnaît bien. Ah, je crois qu'il y a un peu de Switch à la fin. Mais genre, vraiment un tout petit peu. Bon, bref. Allez, allez, allez. Yes. Carapace rouge, non. Oh, la carapace bleue, faut que tu la jettes, Wario, yes. Faut que je... pas que je sois au centre de la route, oui. Yes, 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 yes. Oh punaise, attendez quoi? Ah oui. Ah, sans les graphismes de Mario Kart 8, bah ça paraît pas Mario Kart 8, mais en fait on reconnaît le tracé. Let's go. Et c'est un sans faute, j'ai masterisé cette coupe arc-en-ciel du premier coup. J'ai eu que 2 étoiles, mais j'étais premier tout le temps. Comment on a les 3 étoiles sur Mario Kart 7? Bon les gens, nous on va en rester là pour cette vidéo de Mario Kart 7 CTGP, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, c'est plein de pouces de commenter, de vous abonner. D'ailleurs, si vous êtes nombreux à me le demander, je pense que je ferai d'autres vidéos parce que j'ai déjà des idées de trucs à faire sur ce jeu. Les amis, merci à tous de suivre toujours nos vidéos et à très bientôt, salut. J'ai dit nos vidéos comme si on était plusieurs à les faire alors que je suis littéralement tout seul.